Tout le monde connaît Mario et beaucoup ont joué à un ou deux jeux de la saga. Mario 64, New Super Mario Bros. DS, Mario Galaxy et tant d'autres qui ont bercé notre enfance. Aujourd'hui encore, je joue à plein de jeux Mario, beaucoup trop même. Si vous êtes familier avec les speedrunners, vous savez que leur but c'est de terminer des jeux le plus rapidement possible et de repousser leurs limites les plus extrêmes. Et cette fois-ci, je me suis donné le défi démesuré de terminer tous les jeux Mario 3D et ce en moins de 24 heures. Et en une seule fois. Il y a un total de 8 jeux à terminer, et les voici dans l'ordre chronologique. On va faire Super Mario 64, on va faire Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Super Mario 3D Land sur la 3DS qu'on fera sur émulateur parce que j'ai pas de capture board de 3DS, Super Mario 3D World, Super Mario Odyssey et Bowser's Fury. J'ai fait tout ça en direct sur ma chaîne Twitch, quasi tout le contenu YouTube vient d'ici, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et pour le geste et les nombreux efforts que j'ai dû faire dans la préparation de ce challenge, j'apprécierais énormément que vous vous abonniez à la chaîne en retour et un petit like, c'est tout ce que je vous demande. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère que tout le monde est prêt pour ce live d'exception, n'est-ce pas? C'est quoi ton estimate? Terminer tout ça en moins de 24 heures. Que comme ça, je pourrais faire une vidéo YouTube en mode « J'ai terminé tous les Mario 3D en moins de 24 heures ». Nous sommes juste partis, allez, 3, 2, 1, go! Attention. Ah, dommage, le Lucky tu skip. Pour Mario 64, on va faire un glitch qui nous permet de terminer le jeu en passant des barrières qui nécessitent normalement 70 étoiles. Mais on termine avec seulement 16. J'ai déjà appris et pratiqué cette run plusieurs fois, donc on commence tranquille. Et oui, je joue sur la Wii exprès pour avoir... Oh, nice! Le bomb cliff! Nice! Ouais, c'est du 16 star, tout à fait. Oh là, petite backup. Bon, on a raté le cannonless, mais c'est pas grave, au moins on peut aller chercher cette étoile si on tombe. Ok. Nice. Ok, cannonless. Let's go. Voilà, là, c'est bon. Il va speedrun chaque jeu. Ouais, tout à fait, Atom. Enfin, du moins, après, j'ai pas un niveau équivalent sur tous les Mario, en fait. Par exemple, Mario 64, c'est pas celui sur lequel je suis le plus doué, quoi, très clairement. Mais, ouais, c'est pas non plus le pire, hein, à vrai dire. Hein. Parce que, par exemple, Mario 3D World, ça doit faire quelques années que j'y ai pas joué, quoi. Ça doit faire bah, depuis que j'y ai joué sur la Wii U. Mais en vrai, tranquille, parce que Bowser Fury, c'est la même mécanique. Nickel, bah ça, en vrai, j'anime, etc. Mais vous inquiétez pas que dans 20 heures, je vais être en mode « Ok, let's go Bowser Fury, j'ai envie de crever. » Ok. Nickel. Ok, nice, j'ai réussi à choper Mips. Nice. Bah le but c'est simplement de terminer les Mario, pas tous les faire à 100%, tous les faire à 100% en 24 heures, c'est impossible. Ouais, sur cette version on peut faire le glitch des escaliers, c'est ce qu'on va faire, c'est pour ça. On va gagner énormément de temps comparé à si je l'avais fait sur 3D All-Star. Et bon, prendre 54 étoiles supplémentaires, bon... Non, c'est pas ce que je voulais, c'est pas grave. Mais ça m'a rien heal du tout, what the fuck? What? Mais le cœur, il m'a heal un seul truc. Le cœur m'a trahi mec, c'est pas possible. Ok, enfin. Nice. Non, mais c'est sérieux, là? Ok. Time. Attends, pas encore time. Ok. Ok. Le setup. 3, 2, 1, go! Pour terminer Mario Sunshine, il faut battre la menace anti-Mario dans chaque monde. C'est à chaque fois le soleil numéro 7 et on termine le jeu avec le nombre exact de 47 soleils à collecter. Juste Mario Sunshine en fait. Est-ce que je sais speedrun tous les jeux? Enfin, je sais speedrun tous les jeux, oui. Enfin, le but va être d'aller le plus vite possible. Après, est-ce que je maîtrise le speedrun sur le bout des doigts sur tous les jeux? Non, clairement pas. Genre Mario 3D World, Mario 3D Land, c'est les trois que j'ai le moins tryhard. Il est possible que je sois beaucoup plus lent que le record du monde sur ces Mario-là. Après, c'est des speedruns que je maîtrisais déjà plus ou moins, donc... Est-ce que je suis sur le soleil? Oh, dommage. Go, gelato skip. Normalement, ça peut nous permettre de skipper tous les putains de niveaux de cette zone, si on y arrive. Mais ça fait méga longtemps que je l'ai pas fait, hein, par contre. Hein. Ok, écoutez, ça fait des mois que je l'ai pas fait, mais je le passe first try, y a aucun problème, y a aucun problème. J'ai chopé directement ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, donc là j'ai clip dans le mur, et j'ai chopé directement le soleil numéro 8, et en gros, donc le but de Mario Sunshine, c'est pas, y a pas un nombre d'étoiles ou de shine du coup, là, en l'occurrence, défini, pour pouvoir terminer le jeu, mais en réalité, les conditions pour pouvoir terminer Mario Sunshine, c'est de simplement battre anti-Mario dans tous les mondes, et en fait, du coup, là, on a clippé dans le mur, on a chopé le shine numéro 8 qu'on
n'était pas censé pouvoir prendre. Et comme le jeu, il voit qu'on a le Shine numéro 8, il se dit, bah, normalement, il a accès à tous les autres Shines, vous voyez. Quand on débloque le Shine numéro 8, on débloque aussi l'accès à tous les Shines qui sont juste avant. Non, non. Oh, mais putain, mais Mario qui a glissé. Oh, nice. On enchaîne. Nickel. Ok, bon écoutez, on a passé ce soleil de merde, enfin ce level à chier. Enfin, ne parlons pas trop vite, hein, il reste un dernier saut quand même. Parlons pas trop vite. Ok, ça m'a l'air bien. Ça a l'air bien aligné. Ouais, nickel, nickel. Ne tombe pas. Ici, une fois, je suis déjà tombé, genre... J'ai dive, et comme un con, mon dive, il m'a fait tomber dans le vide alors que j'étais juste à côté du soleil. Horrible. Ah, je suis bien aligné pourtant, non? Ah, je crois que je le fais trop tard. Ah là, nickel. Ok. Ok. Pour le jeu n'est pas en FR parce que c'est la langue la plus rapide, tout simplement. En gros, les dialogues vont se skip plus rapidement. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Oh, purée de pommes de terre. Ok, ça. Ok, normalement. Tac. C'est plus exactement comment il faut qu'il soit langue, genre comme ça, je dirais. Là, j'essaie de clip dans le mur, hein, si c'est pas assez clair pour vous. Ah, voilà, enfin. Ça faisait longtemps en même temps que je l'avais pas fait. Ce genre de truc, ça s'oublie facilement. En vrai, moi, je suis méga hypé hein, par ce stream, les gars. Là, vous l'êtes autant. Et ouais, en tout cas, je promets pas un live 24 heures. Puisque si on termine en moins de 24 heures, on s'arrête là, quoi. On prend notre victoire et puis je vais me coucher, quoi. Moi, j'ai cours en distanciel demain, je vous le rappelle. Ok, plus que 3 soleils. Plus que 3 soleils. Et faites pas la blague, 1, 2, 3 soleils, hein, c'est bon. Allez, c'est la fin. Ok. Nickel. Et le time. Normalement, on peut switch rapidement sur Mario Galaxy. Oh, cette musique, mec. Tellement de nostalgie sur ce jeu, sa mère. Oh, la 60 FPS. Pouah. Juste let's go. Ok, on est parti du coup pour le bloc Mario Galaxy. Pour finir Mario Galaxy, il suffit d'atteindre 60 étoiles en mettant fin à la menace de Bowser dans chaque salle. J'avais déjà terminé quelques runs sur ce jeu, donc je m'y retrouvais dans ce que je devais faire. On commence par Mario Galaxy 1 et ensuite on fera Mario Galaxy 2, n'est-ce pas? On enchaînera les deux. Nickel. Là, vous voyez, c'était un petit skip qu'on vient de faire. Ok, on va tenter le trick ici, espérant qu'il passe. Oh, le first try, let's go. Le petit tricks, là. Oh, non. Oh, oh, mais putain, mais là... C'est la putain d'abeille qui m'a trollé. Non, mais c'est pas possible. Je me fais troller par l'abeille, là, vraiment. Et je perds tellement de temps juste à cause de l'abeille, là, qui est pas censé mettre de dégâts. Ah, voilà, nickel. Nice. Comme ça, là. Bon, nickel, direct sur le truc, quoi, en fait. Ouais, c'est 3D All-Star, c'est Mario Galaxy de 3D All-Star et c'est Mario Sunshine de 3D All-Star. Est-ce qu'on pourrait pas skip? En fait, je suis en train de me dire. Oh, dommage, il y a un mur invisible. Oh, ça aurait été incroyable. Alors, ne pas aller trop vite ici, parce que c'est l'endroit où tout peut basculer. Non, je le savais. Ok. Je m'en rappelle ce niveau quand j'étais petit. Pff, pareil, hein, ça m'a pris des heures et des heures. Hein. Y a trop de mobs. Bah, je suis dans la merde en fait. Ou pas. Un petit dernier. Ah non, mais il est déjà mort en fait. What the fuck. Ok. Là, ici, y a un petit skip. Y a un petit cut qui est assez sympa en vrai. Ok, nice. Est-ce que vous êtes prêts pour la meilleure OST de tous les Mario confondus? J'ai nommé Gusty Gardens. Tu vas être encore en vie, mais oui. Oh, c'est pas la première fois que je fais un live 24 heures, zen. Après, cette fois-ci, la différence, c'est que je n'ai pas de coca, ni de red, enfin, ni de boisson énergisante, ni de café, ni de thé. J'ai que de l'eau, mais l'eau, ça a l'air insane. Hein. L'eau, en vrai de vrai, moi, je suis un assez grand fan d'eau. Les gens, parfois, ils me demandent, quel est ton soda préféré? Moi, je lui dis, bah, l'eau, en vrai, plutôt bon soda. Hein. Après, parfois, il y en a, ils me demandent, c'est quoi ton alcool préféré? En vrai de vrai, l'eau, ça bourre bien, parfois. Hein. Non, mais tout. Ok, c'est la fin là, non? Ça se fait zen. Non, merde. À part si je me prends ça dans la gueule, quoi. Ok,
Attends, il est mort là? Non. C'est la fin? Ok, kids moment. Oh, Mario Galaxy Dawn. On est juste parti en fait. Mario Galaxy 2 nécessite 70 étoiles pour le finir et je n'avais pas joué au jeu depuis des années si on met de côté l'entraînement que j'avais fait la veille. Donc je suivais un Google Doc qui répertoriait une route et je perdais mon temps à la lire et chercher des étoiles cachées ou à me tromper dans l'ordre de celles-ci. Je ne me souvenais plus où elles étaient. Certainement le jeu qui m'a le plus fatigué parce qu'enchaîner Mario Galaxy 1 et 2, ça pique mentalement. En fait... Attends, on peut pas faire un méga skip là? Attends... Non, il doit y avoir un mur invisible. Ou pas. Attends, en vrai. Oh, ce skip, mon gars. Oh, j'ai tout cheese, mec. Attends, si je saute et qu'ensuite je quitte Yoshi. Oh, en vrai, il y a un move à faire. Un petit wall jump en vrai. Oh, mec, il y a un move à faire, 100%. Oh oui! Oh oui, c'est beau! C'est beau! Incroyable! Le petit skip improvisé. Il faut des pièces. Il lui en faut combien? Il lui en faut 1000. 30. Ça va. Ok, c'est bon, on va les donner. Non, mais... Oh, je suis à deux doigts de tout casser. Oh, je vais péter un câble. Non, mais... Arrête! Je le fais exprès, c'est pas possible. Mais arrête! Non, mais mec, je vais péter un câble, là, sérieux. C'est quand même pas... C'est pas possible! Mec, je craque mentalement! C'est rien, c'est Mario Galaxy. Wesh. Non! Mais... Oh, je vais péter un câble. Oh! Ok. Oh, ok. Mais c'est insane! C'est Mario 64! Non mais je m'en rappelle même pas de ça, what the fuck? Mario 64 dans Mario Galaxy 2? Mais c'est incroyable! Je m'en rappelle même pas qu'il y avait une ref à SM 64, what the fuck? Mais c'est littéralement le même stage, mon gars, what the fuck? Hop là! Canonless? Go Canonless, en fait! Attendez, deux secondes, j'ai envie de tenter Canonless, quand même. Ok. Ça marche pas. Patché. Ah oui! Oh, je m'en rappelle de ça! Oh, ok, nice. Alors, je sais pas si c'était le truc qu'on était censé faire en casu, mais ça marche, écoutez. Ah, c'est énorme. Non, j'ai vraiment mis 6 heures, hein, c'est chaud. Hein. Je m'attendais à mettre 4 heures, tu sais. Ok, on termine! Désolé, ça devait sortir. Désolé si j'en ai réveillé plus d'un, mais là... Bah, mec, je suis à 0 vie. Ah, va falloir clutch, hein. Allez, come on! Termine-moi ce jeu de mort! On le termine, là. Oh, on le termine enfin. Nice. Il est mort. Oh, enfin. La purge. Oh, sale bâtard. Oh, ça Ok. Ok. Bah là, il est mort, là. C'est bon, fais pas chier. Crache-la, ton étoile. BGR vomi, là. Donne-la-moi. Elle me revient de droit, c'est bon, là ça fait 6 heures, j'en peux plus, frère. Donne-moi. Oui, c'est mon étoile. Non, c'est pas terminé. Là, c'est terminé. Bonjour tout le monde, vous arrivez après la purge qui était Mario Galaxy 2. C'était long. C'était très long, ça a duré 6 heures, je crois. Mario 3D Land, j'avais appris la première moitié de la run et les raccourcis tuyaux du monde 1 au monde 2, par exemple, pour ne même pas avoir à faire le 1. Et dans ce jeu, il fallait prendre quasiment toutes les pièces étoiles qu'on voyait sur notre passage, puisque c'était nécessaire pour la progression. Oh non, c'est bonheur. Ok, normalement, Mario 3D Land, c'est plus maîtrisé. C'est plus maîtrisé, bonk. Non, mais ça va. Une heure et demie, et c'est plié, en vrai, je pense. À part si je fais ça, quoi. Ok, nickel. Ok, on enchaîne. Allez-y, faut que je me focus, là. Ah, yes. Je suis bien focus, là. Ok, le shortcut. Pour aller direct au monde 2. What the fuck. Ah oui, alors là, il y a un moyen de cheese le truc. C'est assez stylé. Est-ce que je vais le faire? Let's go. Ah mince. Oh, j'ai parlé trop vite. Ok. Moonskip.
Ça me fait plaisir, c'est super. Ok, le shortcut. Pour aller direct au monde 2, what the fuck. Ok, nickel, on enchaîne. Nice. Ok, bah manque plus que le cut. Ouh. Et c'est le monde 5. Là, à partir du monde 5, je sais pas du tout où elles sont les médailles. Combien de monde? Il y en a 8, comme dans les Mario Bros. Wesh. T'es un suicidaire. Attends, mais il se suicide vraiment, là? Ça a changé Nintendo. Je vais être un peu focus sur 3D Land, parce que ça demande pas mal de concentration. Autant Mario Galaxy, c'était chaud, mais... Enfin, Mario Galaxy, ça allait. Là, c'est dynamique et tout, faut pas que je prenne de dégâts. Faut que je grimpe. Non, je fais n'importe quoi, parce que j'ai pas de... Ah, voilà, c'est bon, on est bien, là. Ok. Oula, mec, je suis mort, là. Je suis one, là. En vrai, je pense que je peux clutch. Attends, on recommence pas depuis le début, pitié, monsieur. Oh, si, sa mère. Ok, le combat final, là. Non, le con. Le con, putain. Non. Arrête. Je fais nimble. Il y a même le truc pour cheater, frère. Non. Non, connard. Ah bah j'ai troll. Respawn où là? Pas au tout début. Mec, j'ai eu peur de respawn au tout début du niveau, mec. Le clutch, Bowser. Moi, je le clutch, ok? Mini Mario ou rien, en fait. Non. Non, mais putain. Oh oui, enfin. C'est fini, je crois. Imagine, je tombe, là. Non, je rigole, mais imagine quand même. Ça me fait plaisir, c'est super. Ça va être le final rush. Il nous reste 3 jeux et c'est 3 jeux qui vont pas être très très longs, je pense. Wow, on est reparti. Pour Mario 3D World, je n'avais pratiquement pas run le jeu, mais j'y avais quand même joué récemment. Pour le finir, on doit arriver au bout de 9 mondes et collecter beaucoup d'étoiles vertes sur le chemin, quasiment systématiquement les 3 sur chaque niveau. C'est comme Bros? Non, enfin un peu, ouais, mais ça reste 3D, tu vois. C'est si smooth la 60 FPS là. Non, mais je suis trop con. Ok, on meurt déjà sur le niveau 1, let's go. Ok, faut juste que je me fasse à la physique du jeu, mais normalement, en vrai, ça devrait aller. Il me faut les 3 étoiles et ensuite, il faut que je prenne le shortcut. Ok, nickel. On peut pas revenir. Il est là, le cut. Bah, bien sûr que non. Je peux plus faire le skip. Je peux pas aller direct au monde 2, là. Bon, bah, c'est la sauce, hein. Il est là, en haut. Comment ça? C'est en haut, le cut? Ah ouais, c'était juste au-dessus du tuyau. J'y retourne. Je vais speedrun. Ah non, là. Ah. Ouh. Ça va être encore la course aux étoiles. Enfin, avant c'était la course aux médailles. Ah, maintenant c'est la course aux étoiles. Elles sont où les étoiles, mec? J'ai l'impression d'être à la fin du niveau. Elles sont pas très obvious, hein. Pas là, genre. Ah, si. Ah, mais j'ai chopé la 2, tu vois. Il y en a d'autres avant. Elle est où? Elle est là, avec les jumelles, là? Ou elle est encore avant? Pour moi, elle est encore avant, ouais, hein. Ah si, là. Mais non, c'est là où... Ah mais si, là-bas, elle est là. Ok. Faut que je sois un peu plus observateur, là, ça va pas aller. Ok, nice. Parce que là, pareil, il va nous en falloir, en fait, des étoiles. Bah, pour pouvoir tout simplement progresser, en fait, sinon on va pas pouvoir. Non, pas trop kiffé ce prank, là, hein. Pas très drôle, en fait. Moi, j'ai pas d'humour. Attends, mais t'as pas dormi? Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le live 24h? C'est fou, ça. Bien sûr que j'ai pas dormi. Non. Let's do this! Un dive. J'ai trop joué à Mario 10. J'aime pas les autoscrollers. Ça joue avec mes nerfs, cette merde. Non, mais laissez-moi. Mais putain de... Ah, il me saute dessus! Je vais péter un câble. J'en ai marre, je reviens au début à chaque fois. Ouais, bon, laisse tomber, hein. Voilà, bon. Je me suis suicidé, mais au moins je l'ai eu. J'en ai marre. Mais j'en ai marre. Je reviens au début de ce putain de... Un peu fatigué. On commence un peu à craquer mentalement. Mais écoute, le mental est là, quoi. Non. Mais pourquoi? Mais je ne l'ai pas vu. Bon bah voilà, donne. Là c'est time. Et là je vais pisser. Et ensuite on fait Mario Odyssey.
Vas-y, maintenant en game, faut mettre Mario Odyssey. J'ai peur de m'endormir pendant Mario Odyssey. Mario Odyssey ne se présente plus, c'est maîtrisé, les yeux fermés. Là, c'est free, là, c'est roue libre, hein. Mais je vais limite m'endormir. Hein. No joke, je vais limite m'endormir. Hein. On touche le bout, on touche le bout. Je pourrais enfin dire que j'ai terminé tous les Mario 3D en moins de 24 heures. En une journée, tu vois. Perso, je viens de me lever, voir Julgan avant de dormir. Et Julgan réveille, quel combo incroyable. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, il me nargue. Eh, c'est bon, moi, dans 2 heures, je suis libre. Dans 2 heures, je suis libre. J'ai bien réussi ma strat. Ça fait plaisir. Oh, mec, j'ai si hâte d'aller dormir. Sérieux. Libérez-moi! Oh, juste le petit l'éclipse, en fait. Je vois mal comment on peut pas faire un sub 24 heures. Honnêtement, à ce stade, les gars, je vois mal comment on peut pas faire un sub 24 heures, genre. Attention, le T-Max clip, let's go. Oh, le T-Max clip, juste trop clean, en fait. Comment vous raconter mon état d'esprit? Ouais. Ouais, non, après, bon, je vous avoue que mon cerveau se décompose petit à petit, mais on est si proche du but. On n'a jamais été si proche, en fait. Le plus important, c'est que je suis sur le point de réaliser l'exploit, de terminer tous les Mario 3D en moins d'une journée. On est sur le point de faire le sub 24 heures. Là, on est sur le point de terminer le 7e jeu Mario sur les 8 de la liste. Mais ouais, donc là on est sur le point, là on est sur le fight final de ce Mario là. Et juste après, il nous en reste un dernier sur la liste des 8. Et c'est l'un des plus courts, celui qui nous reste. Donc en vrai de vrai, ça va pas tarder, ça va pas tarder. Hein. Et Mario Odyssey, le 7e des 8 jeux, qui est juste done là maintenant. Juste là maintenant en fait. On se laisse pas le temps, on doit switcher sur le dernier. Sur le dernier jeu qui va être Bother Fury. Oh, let's go, let's go, let's go. Et c'est l'heure du dernier jeu, Bowser Fury. Bon, je n'avais ni route, ni speedrun, ni même vue de speedrun, donc c'était clairement le slow run. Puis la fatigue du rush final me rendait un peu long à la détente, mais je me suis battu jusqu'au bout. Il faut 50 astrophélins pour arriver à la fin du jeu. Ok, Bowser Fury, le tout dernier! Le tout dernier Mario! Où est-ce qu'on doit aller du coup là maintenant? Je connais pas la route, je connais pas la route. J'ai pas fait le speedrun, je l'ai pas appris. Ça promet, ah ben, je vous avais dit. Je vous avais dit que comparé à Mario Odyssey, ça avait rien à voir. Je sais pas où ils sont, moi les... Je l'ai fait une seule fois en casu le jeu. Ok, là on grimpe, là il y en a un là. Ok, nickel. Je vais aller fight Bowser, ça sera réglé. Tac, ok, une dernière fois, il est mort normalement. Ok. Nice, ensuite il y en a un là. Oh nice, ok. Nickel. Bowser Junior, comment il nous carie le cul, c'est énorme. Ok, 32. En tout cas, ça va plus vite que les étoiles dans Mario Galaxy 2, hein, ça. Allez, le tout dernier. Le tout dernier collectible de toute la run, c'est le 50e. Yes, this is the end, Sonoya. Enfin, not yet, mais soon. Ok. Oh, je vais enfin pouvoir aller me coucher, sa mère. T'en peux plus. Allez, je suis farci, je suis trop fatigué, laissez-moi. Je veux accéder à la liberté. Quiero accéder à la libertad. Ok, 4. C'est le dernier? Non, c'est pas le dernier. Si, c'est la fin! Time! Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Oh la putain! Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Oh purée de pommes de terre, j'ai terminé! J'ai terminé tous les Mario 3D en moins d'une journée. J'ai terminé putain de tous les Mario 3D, même les putains de Mario 3D World. Bowser Fury, je m'en bats les couilles. Je le fais en 22h et 34 minutes alors qu'il y a full fail dans tous les sens. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci d'avoir suivi cette épopée avec moi. Merci à tous ceux qui ont été là tout le long, ou même, je sais pas, juste à la fin, n'importe qui serait passé sur le stream. Merci à toi. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. C'était Julgan avec le 3D Mario Challenge en une seule journée. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.